sommes Christ et Quality Foundation, œuvre internationale d'évangélisation. Nous sommes ChristEquality.com. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Pasteur et Pasteur et Pasteur. Lequel se fait l'honneur de vous présenter aujourd'hui. L'homme de Dieu, le docteur Albert Callot, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Albert Callot? Allez sur christequality.com/albertcallot.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. This week, cette semaine, don't miss. Ne manquez pas. Lelo na ye na mutu na nzambe. Amen. Abanda musala awa na kim. Yes. Onde bazaba papa ya evangile. Batata ya evangile. Limbisa lingana nanga. Iza hotenga. These are fathers of the gospel. He's a doctor. He is a doctor. He doesn't live in Kinshasa. He lives abroad. His name is Doctor. Kombo na ye doctor. Doctor of the word. Doctor de la parole. Doctor. Docteur Kalo Kabunda. Kabunda. Église de Saint. Saint de. Église des Saints. Est-ce bon? Des Saints. Église des Saints. Dans l'Angleterre. Église des Saints au Congo. Yangwana papa. Amen. Amen. This is a very powerful ministry in Congo. Oh, il y a un grand ministère au Congo. And he's one of the founders. Yaza moko ya bafondateur. Churches all over Congo. L'église à travers tout le Congo. He's a renowned international preacher. Aza de renommée internationale. A father of many children. Un prédicateur qui a beaucoup d'enfants. Spirituals. Un qui a des enfants spirituels. Yes. He has, you know, discipled many pastors. Aza na ba disciple baza ba pasteur rebelle. Produced many pastors. Abota ba pasteur rebelle. Planted churches uncountable. A se a chapé l'église est innombrable. He is an apostle in our generation. C'est un apôtre dans notre génération. When I heard of him, tango na yoka kiye, I also wanted to profit the grace that is upon him. Napenda linga kina profiter grâce aux ezali kolona ye. Like you receive me, ndenge boya makangai, I want you to receive. Na ligi bino pepo yamba, doctor. Doctor Kalo. Kalo. Kabunda, Kabunda, with a clap offering. Na kopeta maboko makasi offering. As you stand on your feet. Tango zotele malikolo tele mesiko zali ya. Let us give him a word of one. Miracle ni semeno yoto ye. Masoyo na lombe onction. Motone makola mi. Oye fali a révélé biso. A révélé biso. Amatisa biso. Amatisa biso. Poto sosola. To sosola. Pour comprendre tout ce cela, Yangoana, Yakanga gâté. Allo baga malembe, malembe, mena malembe na yewana. Oh, soko fongoli litoi, litoi na yo. Eloko yasika. Eko kota yolelo. Amen. 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 Yalo bakalokola mugisha te. Poku tunamutaza na nguluna ye. Na ndenge na ye. Ngoluna ye. Azalom. Azamotoya. De foi. Kondima. L'homme de révélation. Motoya imoniseli.
L'homme de révéla. Moto emwene c'est les révélations. Toyambaye. Toyambaye. Na lingi motele ma mobeta maboko. Yes. Toyamba l'homme de révélation. Révélation. Maboko na milolo. Mota maboko na milolo. En étant debout, lisons un peu notre chapitre d'hier. Apocalypse chapitre 1. Parce que nous allons essayer d'aller plus loin. Nous allons lire le verset 1 seulement. Et après vous allez prendre de place. Révélation de Jésus-Christ. Et moniseli na Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Oyonzambe apesa kie pwete alakisa na basali na ye makambo ekokoma kala mingi te. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Et moniseli a monisé a monisi nanzela na botinda menangelu na ye à son serviteur Jean. Amen. 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 Que Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ vous bénisse. Zambe nanguya Jésus-Christ apambola bino. Prenez place. Okoyi kuvanda. L'apôtre a bien dit. Ntoma aoti koloba malam. Nous allons parler lentement. Biso tokokende koloba malembe malembe. Je fais un effort pour ne pas parler comme l'apôtre. C'est ça ce qu'on appelle la diversité. Ce qui veut dire, Dieu a fait de lui ce qu'il est. Nous également. Dieu a fait de nous ce que nous sommes. Encore une fois, je vous demande les oreilles. Je sais que celui qui donne ses oreilles, Dieu va les bénir. Il y a des années, une phrase qui est sortie de la bouche de l'apôtre ici, je me suis dit, il y a des années et des années que j'ai donné ou j'ai parlé de cette manière-là. Nous allons lire encore un autre chapitre qui va nous aider à imprégner. Donc avoir la profondeur de la personne appelée Jésus. Dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Il y a quelque chose de très important. J'aimerais lire à partir du verset 20. 45 plutôt. Nalingi na tanga kobanda na molongo ya tukumine na mitano. Notez le passage. Komaka ka molongo wana. Lisons Luc chapitre 24 avec moi. Totanga mukana na Luka mokapona tukumi bale na mine elongo na ngai. Au lieu de lire le verset 44 seulement. Na esika totanga kaka molongo na tukumine na mine. J'aimerais commencer avec le verset 43. Écoute ce que dit la parole. Il en prit
Azwaki na kati na yango. Et il mangea devant eux. Pe aleaki yango liboso na bango. Je reprends. Na zongeli suri loba wana. Il Azwaki a. Il a. Il en prit. Azwaki na kati na yango. Nous devons chercher à connaître il là c'est quoi c'est qui. Et singeli tolu kato eba. Oyo wana balobi awan. Azanani pe ezanin. Il en prit et mangea devant eux. Azwaki na kati na yango eloko pe alie liboso na bango. Et pour connaître il c'est quoi? Bongo po boyeba moto balobeli wana nde nini? Le mot il là. Liloba wana ya a. C'est pronom il là. Liloba wana etali moto wana a. Quand vous allez dans le livre de Genèse. Tango keina mukanda na ebandela. Genèse. Lors de la création. Na eleko na bokeli. Vous allez voir que. Okende komona ete. Dieu a donné un profond sommeil à l'homme. Yes. Zambe apesaki mpongi na mozindo na moto. Pendant qu'il lui donne le profond sommeil, na tango zamba kotisi moto na pongi mozindo, il n'a pas voulu que la femme, l'homme connaisse le mystère de la femme. Alinga kande te mobali ayeba mabomba ne vandi zinga zinga na mwasi. Il oh ah a le pouvoir. Yewana azana mpifo. Pendant que l'homme c'est l'homme était et ne dormait pas. Na tango yo moto azaki nanu akolala te. Il était capable. Ye oyewana azalaki na makoki de prendre dans son corps. Yakozwa na nzoto ya moto wana un os mokuwa moko et fabriquer sur place. Peka kanesika wana sala devant ses yeux. Liboso na misu na ye fabriquer une femme. Asala mwasi. Mais il a privé à l'homme. Kasi apeki saka na mobali. De connaître la fabrication. Ce qui est comme formule de la femme. Ayeba te. Nzela nini ye alekeli po. Asale la mwasi. Il a privé à l'homme. Apeki saka na mobali. En lui donnant un profond sommeil. Nakolali sa ye mobali wana pongi mozindo. Il a soutiré l'os. Alongoli mukuona mopanzi na ye. Il a préparé, il a fabriqué la femme. Ye asali mwasi. La Bible dit. Biblia elobi. Il. Yewana. Il l'amena. Amema ki ye mwasoyo. Il l'amena vers l'homme. Aeko mema ye mwasoyo pa ya mobali. Et il donne un coup de bâton à l'homme. Pe abeti mwa motwana mbata muke. L'homme se réveilla. Bala moko mobali ala muki. Il voit une femme. Mobali amoni mwasi moko liboso na ye. L'homme n'a pas pris fuite. Mobali wana kimakite. L'homme n'a pas dit d'où viens-tu. Mobali atuna kite yo elengo yo utu api. L'homme dit mobali ya lobi. Oh los de mes os. Mokuwa ya mikuwa nangai. Qui a révélé à l'homme que celle-ci est l'os de tes os? Nana fongole la kepa mobala na bososoli. Aso salate oyaza mokuwa ya mikuwa nangai. Il a été toujours seul dans le jardin. Il a été toujours l'ami des animaux. Du coup, il a un profond sommeil. En se réveillant, la femme est à côté de lui. Si c'était toi, tu pouvais dire que c'est un fantôme. Mais lui, en se réveillant, il se voit dans cette femme-là. Amen. Ami moni na kati na mwasi wana. Une autre version dit, na elobeli musoa Biblia baraka. Quand l'homme s'est réveillé, tango mobala la muki na pongi. Il a dit, alobaki, voici un autre moi-même. Ah, tala moto musoa sazalinga moko kaka. Donc il s'est vu. Boy ami lobelaki. Donc c'est pourquoi tellement qu'il s'y connaît, il ne pouvait pas se fuir. C'est pourquoi la Bible dit l'homme et la femme deviennent un. Un parce que
Je me vois en elle. Poète, ngambo bali na zomi mona kati na yemo. Elle se voit en moi. Yemo sa zomi mona kati na nga. Il n'y a pas une contradiction entre moi et elle. Bomba na tobo tele melanie zali kati na nga ina ete. Mais la Bible dit. La Bible lobi. Il l'amena. Yewana awana amemi yemo si. Dans Genèse on dit il l'amena. Kanda ne bande toke ne se balobi amema ki. L'homme. Son problème était de dormir. La femme, son problème, c'était qu'on la fabrique. Mais il crée cette réconciliation. Il crée cette rencontre. Il a créé la rencontre. Autre chose. Quand la femme s'est réveillée. Plutôt quand la femme a été présentée. En lisant ma Bible, cette scène m'a toujours étonné. Et elle, la femme aussi. Elle se présente devant un homme. Elle n'était ni étonnée. Seulement, elle a accepté cet homme-là. Pourquoi? Parce que la femme se vit dans l'homme. Amen. Prête-moi si. Ami moni na kata mobali. La femme a trouvé que c'est moi encore. Ah, moi si pas mi lobeli pas mi moni te. Ngape mususu yewana. L'homme ne peut pas se fuir. Mobali akoye komiki mate. C'est pourquoi même dans le mariage. Yangwana tina na kata na bo. Dès que l'homme commence à penser autrement. Na libala tang mobali manoka ni sandenge mususu. La femme pense autrement. Moi si pas kanisi ndenge mususu. Si il Sokiyeoyoana n'est pas là au milieu d'eux. Azalite, katikati na bangomi ba. C'est ce qu'on appelle le divorce. Netangona ba kolobate, bokamwana libali salam. C'est ce qu'on appelle le divorce. Yangwane ba benga ka bokamwana libali. Là, le divorce c'est quoi? Bokamwana libali zani. L'absence de il. Kozanga ya oyoana. Et la Bible maintenant me dit ceci. Si kao Bible nanga ezolo bananga boye. On me dit. Bazolo banangai. Et maintenant dans la nouvelle alliance. Si kona boka ni asika. Alliance, nouvelle alliance nous dit. Boka ni asika ezolo banabiso. Il prit. Yewana azwaki. Et il mangea devant eux. Pe aliaki liboso na bango. Nous devons marcher. Esengeli to tambola. Pour connaître. Pona koyeba. Il là. Yewana. C'est quel pronom, c'est le pronom personnel. Et ça, les camoufles ont la moto. Mais il est là. Cassier moto, wana. Ça reste en français. Il est. Et autres tika na lokota ni falansa. Derrière, il est là. Oui, topeye il wana. Et caché un mystère. Et bombani na libombani. Que nous devons tous comprendre. Oui, bisonyo se sengeli to sosola. Il c'est qui? Littéralement ici, la Bible dit qu'il mangea devant eux. Bible l'obiété alia qui libosona bango. Et qui sont-ils? Bongo bango bazaba nani? Et là, qui sont-ils? Bao wana bazaba nani? Je rentre maintenant verset. Je suis dans le verset 36. Naza sikona molongo atukumisato. Dans le chapitre 30, dans le 4. Mukana na Luka, mukapona tukumi bale na minei, molongo na tukumi satu na motoba. Suivez la lecture. Landa litangi. Tandis qu'il parlait de la sorte. Nzokande babanda ki koloba na lolenge wana. Tandis qu'il parlait de la sorte. Nzokande babanda ki koloba na lolenge wana. Qui parlait de la sorte? Banani wana banaye koloba lolenge wana. Alors là il faut revenir. Wana sukwe sengeli kozonga. Dans le verset 26. Namolongo ya tukumi bale na motoba. Vous allez nous excuser. Oko kende bongo kolimbisa biso. Parce que je ne vais pas aller trop vite. Pwete na lingi na kende mbangu mbangu penza te. Je reprends d'abord le verset. Au lieu de prendre 26, je prends le 25. Na esika na za tukumi bale na motoba na za tukumi bale na mitano. Alors Jésus leur dit. Na bongo yezo lobi na bango. Homme sans intelligence. Oh, bato bazangi maele. Et dont le cœur. Élan à croire tout ce qu'on dit
les prophètes. Peba oyo motema na bango ezali malembe malembe pona kokenda kondima oyo basakoli balobaki. Et si la Bible dit directement que Jésus reprend certaines personnes en leur disant vous manquez l'intelligence. Ça montre aussi comme Jésus les a insultés. Est-ce que ces gens-là n'étaient pas vraiment intelligents? Une fois les gens, il leur dit, vous n'êtes pas intelligent. Pourquoi manquer l'intelligence? Non, pourquoi manquer l'intelligence? Jésus reproche à ces gens parce que il leur manquait l'intelligence. Mais l'intelligence de quoi? Peut-être ce soir, tu peux danser, chanter, crier, mais ne pas avoir l'intelligence. C'était quelle intelligence ici? Que Dieu parle. Il reproche qui? Et pourquoi ces reproches? Écoutez frère, beaucoup de gens manquent l'intelligence malgré qu'ils ont des diplômes. Ils ont été à l'université. Ils ont un français raffiné. Ils parlent même un anglais raffiné. Mais quand Jésus le voit, il trouve que ce sont des gens qui ne sont pas intelligents. Et il mérite un reproche. Je vais aller pour comprendre avec vous. Qui sont-ils ces gens-là? À qui Jésus a mangé devant eux? Et en plus de ça, il les a reprochés parce que il manquait l'intelligence. Et c'est pourquoi je dois encore continuer ma lecture. Toujours dans Luc 24. Et c'est très important. Regardez dans le verset 18 maintenant. La Bible dit, Pour la meilleure compréhension, nous allons prendre le verset 14. Et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Ces gens-là, pendant qu'il parlait et discutait, ils étaient sur le chemin. En train de parler et de discuter. Pendant qu'il parlait, comme d'habitude, s'invite dans leur discussion. Ma soeur, mon frère, ces gens-là ne l'ont pas invité. Il s'est invité lui-même dans leur discussion. J'ai toujours dit, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un fils de Dieu, si tu crois en Dieu et que tu lui fais confiance, écoute bien,
Même si les gens complotent contre toi. Les gens préparent des choses contre toi. Et que toi, tu n'es pas au courant de ce qui se passe contre toi. Mais je te donne une clé de réussite. Écoute la clé de réussite. Garde-toi. A toi même kita wana te mi bomba a trembler kolenga kate a paniquer ko mitungisa te kobanga bangate tu n'es pas au courant de ce qui se prépare contre toi. Tako yebite makamunini makita bazosala kotelemela yo. Jésus va s'inviter lui-même dans ton problème. Amen. Yesu yemoko akomi benda nani kambuna yo. Il aime des problèmes, Jésus. Il aime alors des problèmes. Mwana mubalo Yesu alukakane makambu. S'il n'y avait pas de problème, comment Jésus va montrer qu'il est fort? Soki makambu ezalakate, mindondo ezalakate, ndenge nini Yesu akolakisate, nazana nguye na makasi. Il faut que tu sois combattu. Esengelo bundisama. Pour que tu puisses voir que tu as le tout puissant. Je connais une sœur qui a toujours donné l'argent pour l'œuvre de Dieu. Quand vous dites nous voulons ça, elle se présente. Elle donne. Elle peut donner même des voitures. Mais vous sentez qu'elle n'a rien. Ce qu'elle donne là, c'est tout ce qu'elle avait. Alors il y a quelqu'un qui avait pris son argent. Il a pris beaucoup d'argent. La sœur partait tout le temps. Donne mon argent. L'homme répond dit n'importe quoi. Mais je me souviens d'une parole de cette sœur là qui a frappé mon cœur. Il a dit à cet homme. Il a dit à cet homme. Mon argent que tu as, j'irai jamais voir la justice. J'irai pas au tribunal. Mais je te dis. Cet argent que tu gardes là, j'ai toujours mangé mon argent avec Dieu. Il dit mon argent, je mange avec Dieu. Et quand Dieu verra que il ne mange plus, il s'occupera de toi. Merci. Est-ce que vous comprenez? La femme m'avait épaté. Je vous dis qu'elle a dit, je mange. Je ne mange jamais seul. Moi, je croyais que la femme allait dire, cet argent-là, j'ai fait comme ça pour avoir mon argent. Cet argent-là, j'ai mes enfants. Mes enfants qui souffrent maintenant à Londres. Parce que c'est une femme qui habite Londres. J'ai laissé mes enfants. J'ai souffert pour ça. Si tu ne donnes pas mon argent, j'irai voir. L'État, on verra. Non. Dans la bouche de cette femme-là, le nom de ses enfants, de son mari n'est pas sorti. Si ce n'est que dire, je mange mon argent avec Dieu. Et si tu gardes cet argent, Dieu s'occupera de toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu s'invite lui-même dans les problèmes des enfants de Dieu quand il y a un problème. Amen. Écoute-moi, même si tu ne pries pas, même si tu ne viens pas voir le prophète, tu ne viens pas voir l'apôtre, mais comme tu as un problème, tu crois dans ce Dieu-là. Quand tu tardes de l'inviter, lui-même va venir.
Est-ce que vous comprenez ça? Bonjour, ce Solango. La Bible dit ceci. Bible, qu'est-ce que le baboui? Je n'ai pas trouvé ça dans ma Bible. Namoni angote na Bible nanga. Où la Bible dit? Wa pepa Bible lobi. Deux ou trois réunis en son nom. Mi baleto misato basanga na kombo na e. Et l'invite. Beba benge aya. Il va venir. Akoya. Non. La Bible dit, Bible dès que vous êtes deux ou trois, que vous l'invitez ou pas, il vient. Comme maintenant, il est venu, mais il est là, sans même qu'on dise vient, parce que vous parlez de lui. Quand vous parlez de lui, lui vient toujours. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand vous parlez de lui, quand vous citez son nom, il ne vous laissera pas citer son nom sans qu'il ne vienne pas. Les deux messieurs ici, les deux frères étaient sur la route. Quand ils étaient calmes, ils n'ont pas reçu la visitation d'île. Dans leur causerie, ils ont introduit le nom d'un messie appelé Jésus. À partir d'aujourd'hui, je t'informe, même si tu es dans ta voiture, tu es dans ta maison avec tes enfants, tu es au travail, je te dis un truc. Écoute, Yoka, si tu veux voir sa présence so dans cette voiture-là, commencez seulement à parler de lui. Citez seulement son nom. Yo tangaka kombo na ye. Il apparaîtra pour dire tu m'as appelé. Akobi mama na pono moko na posa lobi obengi ngai. Tu as besoin de moi? Ozana bosenga na ngai. Je n'ai pas besoin de dire Seigneur, viens. Na sana tina kolo bate. Kolo yaka. Non, je parle seulement de lui. Lui vient. Amen. Na betika li solo na ye. Ya ye. Est-ce que vous me saisissez très bien? Bozo so solo nga mama. C'est ça la grande dimension de la foi. Amen. Yangonde mosanda. Grandir encore dans la foi. Savoir que même si je ne dis pas viens, mais quand je parle de son nom, obligatoirement il vient. Yes. Amen. Gloria. Vous comprenez cela? Imagine-toi, je viens. Il y a un sorcier dans la maison. Moi j'ai toujours dit ceci. Quand j'entre pour dormir, quand je vais pour dormir, je dors et s'il faut ronfler, je ronfle sérieusement. Il y a les gens pour dormir. Dès que vous les touchez comme ça, ils se... Au nom de Jésus. La prière de la peur. Mais quand moi je dors, je sais que avant de dormir, j'ai cité son nom. Et comme j'ai cité son nom, il est là. Et comme il est là, moi je dors et je ronfle. Lui est sentinelle. S'occupe des restes. Donc il est sentinelle. Capita Yesu, capita Yesu, capita. Vraiment. Pendant que les gens cherchent des sentinelles, il paye l'argent. Celui-là cherche du boulot gratuitement. Donc il a besoin d'être engagé sans même avoir un contrat du travail. Ces gens parlaient sur le chemin. Ils ont cité son nom. Ils ont commencé à citer son nom. En citant le nom, la Bible dit,
Dans le verset 15, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Quand Jésus s'approche, ce n'est pas il te visite, il part. Non. Il fera route avec toi. Il fera route avec toi. Mais il y a quelque chose de très important. C'est quoi? Pendant la Bible dit dans le verset 17 que les yeux étaient empêché de le reconnaître. Kasimiso na bango et peki samaki pour ba sosolate yewanande Yesu. C'est ça mon problème. Wanande likamunangeza wana. Les gens qui citaient le nom de Jésus. Bato babane kotanga kombo na Yesu. À qui même Jésus a rendu visite. Na baoku tu Yesu ayiki kotala bango jusqu'à faire route ensemble avec eux. Mais ces mêmes gens-là ne connaissaient pas Jésus. Il parlait de Jésus. Jésus fait route avec eux. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Je reprends. Les gens qui parlaient de Jésus. Et ils racontaient ce qui est arrivé à Jésus. Avec compassion. Jésus s'approcha d'eux. Et fit route avec eux. Mais ces gens-là ne connaissaient pas Jésus. Beaucoup de gens aujourd'hui aussi. Je vous informe. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible. La Bible déclare que beaucoup de gens citent aujourd'hui dans ce tour de Jésus. Parle de Jésus. Bazobeta na masolo ya Yesu. Il crie Jésus. Baganga ka kombo na Yesu. Mais en réalité, ils ne connaissent pas Jésus. Kasi solo ba ebite Yesu ango nani. C'est pourquoi Jésus va dire lui-même. Yangoti na Yesu yemoko akene koloba. Vous m'invoquez Seigneur. Bazobeta ngai kolo. Mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Pour faire ce que lui a dit, il faut connaître qu'est-ce qu'il a dit. Pour sala oyo ya lobi esenga na ino bana koyeba nini alobaki. Il faut connaître premièrement qu'est-ce qu'il a dit. Esengele yambo oyeba nini alobaki. Quand tu l'invoques, tambozo belela ye. Avant de l'invoquer, ibosa kobelela ye. Cherche à savoir qu'est-ce qu'il a dit. Lukana no yeba alobaki nini. Et la Bible dit. La Bible elobi. En marchant avec Jésus. Batouana, na kotambo le longo na Yesu. Jésus, la Bible dit, leurs yeux. Bible lobi, miso na bango. C'est ça le problème, frère. Wanande likam. Pourquoi ces gens n'ont pas reconnu Jésus? Wanande bato ba yeba kite otozo tambo na ye ne Yesu. Parce que. Poete. Il y avait un obstacle. L'obstacle c'est quoi? Les yeux les empêchaient de reconnaître Jésus. Mais la bouche citait le nom de Jésus. Mais les yeux les empêchaient de le voir. Ah, c'est là où il y a le problème. Les yeux peuvent vous empêcher de voir, de reconnaître Jésus. Vous citez le nom de Jésus. Vous criez le nom de Jésus. Vous criez le nom de Jésus. Mais les yeux vous empêchent de le voir, de le reconnaître. C'est ainsi en marchant.
Jésus les a reprochés en disant vous n'êtes pas intelligents. Alors qui a l'intelligence? Qui est intelligent? C'est celui qui a le diplôme de l'université. Et brevet d'école militaire. Bongo attendez qu'elle a si aba kai bas soldat si ici. Licencié en droit. Attendez qu'elle a si aba bateau bas quatre camions à bateau. Si ici. Licencié en économie. Atangi makambo tali misolo. Professeur de l'université. Atangi sakabakurutu na betela bakurutu. C'est celui-là qui est intelligent. Ndeo wana za mayele. Ce n'est pas ça, c'est que Jésus a constaté. Et ça wana te. O Yesu mona kite basanga kidokola mayele. C'est ainsi que j'ai toujours dit. Ndeo wana tangu nusu na lobaka. Être professeur de l'université. Koza la mola kisi ya bakurutu na betela bakurutu. Doyen d'une faculté. Être magistrat. Être comptable. Être un homme d'affaires. Un érudit. Un érudit. Faites attention. Quand tu viens dans l'église, tu es un vaurien. Les intellectuels n'aiment pas dire ça. Je reprends encore. Tu es ce que tu es dans le domaine où tu es. Quand tu entres dans l'église, tu dois savoir que je ne suis pas intelligent. Amen. C'est pourquoi tu peux être un professeur d'université. Quand je parle ici, tu te dis, il a bien dit, mais la méthodologie. Il parle trop bien, mais vous voyez, il a les problèmes de français. Vous voyez, je vais te dire quelque chose. Quand tu arrives dans l'église, oublie ce que tu es. Amen. Bosana oyosa. Oublie ce que toi tu es. Alléluia. Bosana oyosali. Si tu oublies ce que tu es. Bosana oyosali. Si tu oublies ce que tu es. Bosani oyosali. C'est comme ça que Dieu va ouvrir tes yeux. Et te donnera l'intelligence. Et quand tu auras cette intelligence, tu vas chasser les démons. Tu vas chasser les démons. Tu vas chasser les mauvais esprits. Donc l'intelligence alors, quand j'ai compris ce qu'on appelle intelligence, oh que Dieu soit loué, je vois un homme dans la Bible. Cet homme là c'est Paul, dans le livre d'un Corinthiens chapitre 20, si je ne me trompe pas, chapitre 21, c'est ça? Non, 1 Corinthiens, Mokanaba Corinth. Le monde dans sa chapitre 1. C'est 1 Corinthiens chapitre 1. Mokanaba Corinth, Yaliboso. 1 Corinthiens chapitre 1. Mokanaba Corinth, Yaliboso, Mokapaliboso. Au verset 21. Molongo ya tukumi balena moko. Écoutez comment Dieu, yo à travers l'apôtre Paul, Nansela na Thomas Paul, qui parle de ces choses. Wo azolo banatina makambo. Je commence à partir du verset 19. Nabandi na molongo ya zomina. Aussi est-il écrit. Et comment mi peli susu boy? Je détruirai la sagesse des sages. Ah. Nako zangisa tina. Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Nako zangisa tina mayele yabato mayele. L'intelligence des intelligents. Mayele yabato mayele. Sera anéanti. Et kozangisa matina. C'est de quelle intelligence?
Quand vous entrez en Jésus, Yoka. Quand vous venez dans l'église, ton intelligence que tu as acquis à l'université, je t'informe dès que tu arrives dans l'église, Dieu en est anti ça. Parce qu'il doit te donner l'intelligence du royaume. C'est pourquoi. Écoutez comment la Bible dit. La Bible dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dont les philosophes. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Le verset 21 maintenant nous intéresse. Car puisque le monde, avec sa sagesse, le monde, avec sa sagesse, ce qui veut dire, ce que tu as appris à l'école, ce que tu as appris à l'université, ce que tu as appris au collège, ça c'est l'intelligence du monde. Ça ne veut pas dire qu'en ayant cette intelligence, tu y en as aussi dans les choses de Dieu. Maintenant la Bible dit, il a pris à Dieu de sauver les croyants par la prédication de la croix. Amen. Qui est intelligent? Qui est intelligent? Je reprends. Tu peux avoir beaucoup étudié. Dans notre église, j'ai un professeur qui m'a donné le cours que je suivais, qui m'a appris le cours. Quand il a cru en Jésus, je lui ai dit, je suis devenu ton professeur. Est-ce que vous comprenez cela? Quand il entre dans l'église, il oublie qu'il est professeur. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu résiste aux orgueillés, il fait grâce aux humbles. Tu peux venir ici, tu trouves comment nous dansons. On danse parce que le pasteur et l'apôtre danse, moi aussi je danse trop fort. Jusque là je fais qu'observer. Quand je veux me lâcher, vous comprendrez que je connais aussi le mystère de la danse. Maintenant toi tu entres, étant ministre général quelque part, professeur de l'université, quand on danse ici, quand on dit sauter, ça c'est là, un homme comme moi, je ne peux pas sauter. Les enfants sont là, nos femmes sont là, c'est comme ça que tu meurs. Et c'est comme ça que Dieu ne te donnera pas l'intelligence. Est-ce que tu comprends ces choses-là? Tu peux venir ici dans l'église, le prédicateur que Dieu place pour te conduire, il n'a pas étudié comme toi. Il a le français de Jean-Baptiste. Lisez bien la Bible. Jean-Baptiste était dans le désert. Jean-Baptiste voyait que le serpent, il voyait que le lait et le miel. Il voit comment le serpent serpentait. Quand les enfants d'Israël, les pharisiens s'approchent auprès de lui, il dit, race de vipères. Parce que lui voyait
voyait que les vipères. Son français était lié que dans ce qu'il voyait. Il n'avait pas de vocabulaire compliqué. Il utilisait un français selon les serpents qu'il voyait dans le désert. Tu peux venir ici. Tu trouves cet homme. Et tu te dis non. Celui-là ne peut pas me conduire, me diriger quand même. Un homme comme moi, je dois être dirigé par des licenciés comme moi, des docteurs comme moi. Jésus va t'échapper. Tu ne seras pas intelligent. Si tu as ton frère, ton mari, ta femme, tes frères, qui se dit intelligent, tu n'es pas intelligent. Celui qui est intelligent, c'est moi. C'est toi. Parce que tes yeux ont été ouverts. Et tu as reconnu Jésus-Christ. Équilibrer la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun un homère. Si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, si vous voulez qu'il vous réponde en particulier, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site. Sinon, contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation. Nos contacts sont visibles depuis le site. N'oubliez pas aussi, en tant que chrétien, votre devoir d'évangélisation. Venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette œuvre évangélique, Christ Equality Foundation. Pour le faire, tapez sur christequality.com/evangelisation.html. Donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main, et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne. Recherchez-vous les enseignements du Dr Albert Callo? Allez sur christequality.com/albertcallo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à notre première YouTube channel, Évangile éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde YouTube channel, Christ Equality. Souscrivez s'il vous plaît. Pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre, allez sur evangileternel.com ou sur christequality.com. Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues pour conquérir une audience mondiale. Que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel.